Hey, l'autre fois, je suis comme, j'écoute des vidéos sur la musique, tout ça. Oh ouais, des whistle notes. Ok, whatever. Puis là, ça fait ting-dong dans ma tête. Je suis comme, ouais, mais j'ai fait souvent, moi, des imitations de voix de chien. Genre ça, c'est gossant pour les oreilles, désolé. Mais j'ai jamais vraiment essayé de faire des mélodies avec ça ou de essayer de la plus contrôler les sons que je fais. En whistle, parce que ouais, c'est du whistle note, puis là j'ai allumé parce que j'ai une des chansons que je suis allée faire en studio, une de mes compositions. J'ai mis un bout, j'ai dit au gars de studio, hey, ça fait-tu weird si genre je veux faire une espèce de son bizarre là, puis faire une note full aiguë là, mais t'as mis dans le mixage des volumes, tu vas la mettre plus comme vraiment en arrière-plan, un peu plus wide. Puis il a fait comme, non, ça peut faire, tu sais. Mais il y a personne qui me dit que c'était du whistle, puis que c'était correct, puis qu'on avait le droit de faire ça, puis que c'était pas gênant, parce que moi j'étais gênée, que c'était au contraire ben, admirable, entre guillemets. Fait que j'ai fait ça. Voilà l'extrait. Voilà. Là, ça a fait ding-dong à un moment donné, des années plus tard, j'étais comme « Hey, je pense que je peux faire du whistle! » Donc là, j'ai comme fait des petits tests, là, genre bref, puis j'étais allée voir jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire avec ma voix. Puis là, ben, j'étais partie sur des tunes par rapport. Avec quoi je peux faire du whistle? Puis c'est ça a donné ça, ce que je vais vous montrer. Mon chum était parti à l'épicerie. Puis là, pour pas casser les oreilles à personne, je me suis dit, c'est là que je vais essayer. Fait que j'ai essayé. Ça a donné ce que ça a donné. J'ai pas fait de montage audio dessus, là. T'sais, moi, je mixe pas dans la vie, j'étais à chier pour faire ça. Bon. Puis j'ai juste mis ça dans mon logiciel de montage vidéo. J'ai fait des cuts parce que quand j'ai filmé, là, il y avait pas de musique qui jouait en background, là. Je faisais juste niaiser. Puis je m'étais pas pratiquée non plus, tu sais. Fait que j'avais aucune idée de la tonalité qu'il fallait que j'aie pour fitter avec la toune, tu sais, en tout cas. Fait que là, j'étais allée chercher juste une trame sonore pour donner une idée, là. J'ai ajusté la trame sonore à mon ton de voix. Puis mon ton de voix, je le changeais souvent, tu sais, je faisais des tests, là. Mais c'est ça, j'ai pas changé dans le montage que vous allez voir ma voix, genre, je l'ai pas augmentée ou diminuée. J'ai juste changé la trame sonore. Puis j'ai pas d'autotune non plus. Puis j'ai pas refait des millions de fois, là. Je me suis pas pratiquée, parce que sinon ça sonnerait mieux, tu sais. Puis les bouts chantés, là, c'était juste pour meubler le temps, là. Fait que je me suis pas appliquée non plus. Mais c'était juste pour vous dire, hey, je pourrais me pratiquer, je préfère des whistle notes. Ça serait cool. Je sais pas comment l'incorporer, dans quelle tune. Mais ouais, ça serait cool pour vous donner des idées d'artistes qui font ça. Moi, je pensais que tout le monde pouvait faire ça. Ben, je pense encore que tout le monde peut faire ça, c'est juste que les gens, ils savent pas, ils ont pas développé ça. Moi, je sais pas. Je faisais le chien depuis tout le temps. Fait que pour moi, c'est comme, c'est facile, c'est inné. Des whistle notes, c'est des notes qu'on appelle sifflets. C'est une voix qui siffle. C'est pas crier, c'est pas chanter ou parler, c'est une voix qui siffle. C'est le type de voix le plus aigu que tu peux aller chercher. Parce que moi, j'ai comme tout le temps eu un espèce de complexe parce que j'ai une belle voix plus grave, avec beaucoup de goody dans ma voix. Beaucoup de vent aussi, je suis capable de faire beaucoup de vent. Ooh, and I began a story. Everyone wants to end that on their own. You and I are alone. Nobody wants to see. Mais dans les aigus, chanter, je suis pas capable. Je suis capable de faire des graves, quelques médiums, aigus, je t'ai chier. Puis après ça, whistle! Yeah! L'entre-deux, je peux pas, mais. Coudonc. Quand j'ai vu que c'était quelque chose qui était plus admiré des gens et que je devais pas être gênée de faire des whistle notes, je me suis dit, Colline, je vais le faire éventuellement, ça va sûrement enlever le complexe que j'avais de pas pouvoir faire des notes aiguës. On s'entend que là, c'est plus qu'aigu! Tu peux pas mettre ça n'importe où. Dans une chanson, tu peux faire que des petits bouts parce que c'est dur de faire ça tout le temps. C'est pas que ça brise la voix, c'est que c'est juste comme difficile à tenir. Ça peut me donner des crampes ici, par contre. Mais bon, je suis juste contente de découvrir ça. Mais c'est ça, ça a l'air que c'est pas tout le monde qui font ça.
Mais il y a plusieurs chanteuses qui sont connues pour ça, parce qu'ils en font souvent dans leurs prestations. C'est Mariah Carey puis Ariana Grande. C'est les deux qui me viennent en tête, là. Je peux vous mettre des petits extraits, là. Voilà, là. Baby, it's all in your mind. Sing, baby. Baby, it's all in your mind. OK. Vous voyez. Voilà. Fait que, on y va, je me suis fait du fun, ok? Puis là, ça sonne mal, mais ça sonnerait sûrement mieux si je le ferais en studio. C'était vraiment juste un petit test avec mon cellulaire, ok? Qu'est-ce que je peux faire avec des whistles? Puis je sais, je fais des facelettes quand je chante. Fermez-vous les yeux. Je fais n'importe quoi. Parce que je m'amuse. Faudrait que je me pratique. C'est ça. Hey! Fait que là, ben voici la vidéo de quand je me suis filmée pendant que mon chum était parti à l'épicerie.